quand vous avez le diagnostic, vous savez ce que vous cherchez. Donc quand vous allez dans votre livre, vous y allez très vite parce que vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. C'est pas comme le type qui se gratte la tête en ouvrant le bouquin en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais lui donner à lui ?» C'est pas du tout ça. C'est vous cherchez, vous êtes déjà dans une classe de traitement, simplement, quelle est la meilleure formule ? Ah, ça non. Ah oui, ça, ça voilà, je prends. On sait ce qu'on cherche, parce qu'on sait déjà ce qu'on veut faire pour le patient. Donc le bouquin, il joue sa fonction naturelle de disque dur externe, d'aide-mémoire, parce que j'ai pas toujours toutes les formules et toutes les compositions en tête. Bon, ben, c'est tout l'intérêt du support livresque. Mais moi, j'ai le système d'exploitation. Après, j'ai une mémoire externe. On est ici pour vous fabriquer un système d'exploitation autonome. Après, vous avez le droit d'avoir plein de bouquins autour pour vous aider à chercher plus vite. Mais l'intelligence permettant de les utiliser, elle n'est pas dans les bibliothèques. Elle est dans le travail personnel, elle est dans le livre que vous écrivez.